L'agence Kimia Shipping Canada. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de rechange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contact 001-514-531-8401. Agence Kimia Shipping Canada, Tokos. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Eh bien, tout de suite même, je me lève avec beaucoup de respect, et surtout que c'est une première, je ne l'avais jamais reçue auparavant. Eh bien, je me lève parce qu'il s'agit ici du coordonnateur ad intérim du collectif des artistes et des culturels de la RDC, ASVEL, Rock Vocabella, d'Ivodo et de Nôtre. Bonjour, cher Cordo. Bonjour. Merci d'être de Nôtre. Tout plaisir pour moi. En tout cas, je suis très très honoré. Vous n'avez pas fait d'autres émissions avant, depuis votre nomination? Non, c'est l'exclusivité. Très bien, merci. Merci pour cet honneur. Merci beaucoup. Vous n'êtes plus à présenter au grand public. Et surtout, vous avez traversé les époques. Il y a toute une histoire derrière votre personne. Et surtout, je parle de votre groupe qui a tenu pendant plusieurs années. C'est plus de 20 ans d'ailleurs avec Africa. 23 ans. 23 ans déjà. Oui. C'est quelque chose. Vous êtes très satisfait du résultat? Après 20 ans, vous ne vous sentez pas épuisé? Non, vous ne voulez pas arrêter, tout, hein. Non? Pas du tout, au contraire. Ok. Au contraire, parce que bon, nous sommes investis d'une mission. Très bien. Qui est non seulement de faire la promotion de la culture, mm-hmm. à travers le théâtre et le cinéma, mais aussi et surtout d'encadrer la jeunesse. Très parce bien. Parce qu'une jeunesse sans encadrement, une jeunesse sans repère, elle se perd. Plusieurs jeunes sont passés entre vos mains. Aujourd'hui, certains évoluent en solo. Est-ce que quand vous leur regardez de loin, vous vous applaudissez du travail? Est-ce que vous avez investi en eux aujourd'hui? Bien entendu, c'est un plaisir que de voir des jeunes qui sont passés entre vos mains, qui du reste étaient des illustres inconnus quand ils étaient venus. Mm-hmm. Et ben, les voir aujourd'hui en train d'évoluer, en tout cas c'est un motif de fierté. Très bien. Rock Vocabella, il faudrait aussi bien préciser votre combat au sein de notre secteur de la culture, où vous vous engagez pleinement depuis très longtemps. On vous retrouve dans plusieurs structures. C'est vrai que la seule différence des autres, je devrais le dire aujourd'hui ouvertement, c'est que l'on copte en disant que bah, avantage, bah, Bodo Baza Nango, pour Bazali, dans le bité quand même, sous Baza Maël était. Qui fait à ce qu'aujourd'hui, il est quand même rarissime de retrouver un Rock Vocabella sur des choses qui n'avancent peut-être pas, loin de la polémique. On ne parlerait pas demain de Rock Bodo en disant qu'il est en train de souffrir, qu'il traverse une période assez difficile. Vous êtes construit aujourd'hui, vous êtes publiciste, vous êtes
artiste, comédien, humoriste, et tout ça en la personne de Roch Boukabela. C'est quand même rarissime, ça, bravo, parce que vous êtes plus grave, vous avez plusieurs talents que vous mettez au service de la nation. Je parle aussi de votre combat au sein du collectif des artistes et les culturels, dont depuis la création, vous aviez le rôle du porte-parole que vous avez porté jusqu'à la dernière minute. Le 16 avril, à l'unanimité, vous avez été désigné pour remplacer Paul Ngoy-Leperc, lui qui, depuis le départ, a toujours été le coordonnateur, mais pour des raisons professionnelles, il a décidé de se retirer. Eh bien, c'était... Vous étiez entouré des autres membres de la coordination où on a vu les images en vous serrant la main avec beaucoup de sourires et de fierté. Aujourd'hui, en aide intérim, vous êtes à la tête du CAC. Comment avez-vous reçu cette désignation? Avec la tête froide ou soit encore vous avez encore beaucoup de pression? Il faut dire que c'était... Je l'ai accepté après beaucoup d'hésitation parce qu'il faut dire que... J'ai un emploi du temps, ce dernier temps, un peu compliqué, dans la mesure où j'avais repris avec l'université. Ok. Donc je. Là, on laisse la différence au monde quand même. Bon. Parce qu'il y a déjà deux messages là. Pardonne-moi, mais c'est l'inga là. Ok, je le fais. Non, mais comme tu le disais tout à l'heure, ne peut être artiste qui le veut. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit avoir une tête non seulement pleine, mais aussi bien faite. Est-ce que c'est quelqu'un qui est appelé à réfléchir pour, pour sa communauté et rendre le fruit de sa réflexion sous forme soit de la musique, sous forme de théâtre, sous forme d'humour, sous forme de tableau de peinture et consorts. Donc voilà. Alors, j'avais accepté dans un contexte où je termine ma licence en droit cette année. Très bien. Donc, je suis appelé à effectuer deux rédactions. La première, c'est mon travail de mémoire et la deuxième, c'est le rapport de stage. Bon, j'avais vraiment beaucoup hésité à ce qu'on a eu à parler avec, avec le cordon sortant. J'ai dit en tout cas, laissez-moi réfléchir parce que j'aimerais vraiment me consacrer. Une fois accepté, j'aimerais vraiment me consacrer. Mais bon, étant donné que on ne peut pas laisser la communauté artistique et culturelle en péril par le fait que le cordon n'avait pas le temps. Je ne pouvais que l'accepter et j'ai pris l'engagement de investir, de mettre toutes mes énergies pour dynamiser la chose. Très bien. En parlant d'ailleurs de vos études, mes motivations non mingues, Animi, parce que est-ce qu'il y aurait-il peut-être des ambitions cachées où vous ne parlez pas à haute voix, mais parce que avoir aujourd'hui un licence en droit, c'est que l'on sait le terminus, c'est qu'après on va se réveiller, on aura un Roch Boukabela qui ne sera plus sur la scène en tant qu'artiste, mais peut-être acteur politique. C'est possible. En tout cas, mes études, même la qualité que j'aurai après, ça ne sera pas incompatible avec, avec les arts. En tout cas, je n'ai jamais vu, c'est écrit nulle part. Hein, c'est... Ou soit on est juriste et puis on peut pas prester sur scène. Non, c'est pas incompatible. Donc la motivation, c'est que vous savez, un artiste, c'est quelqu'un, à mon avis, hein, c'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance la plus universelle possible pour être utile à la communauté. Voilà, et moi j'ai un principe qui m'a toujours animé, c'est-à-dire on n'arrête pas d'apprendre. Celui qui cesse d'apprendre, il tombe dans la routine. Très bien. Et cesse de progresser. Alors moi j'ai horreur du surplace. C'est pourquoi je m'étais décidé, en tout cas c'est depuis longtemps, je m'étais dit, en dehors de ma formation artistique, je devais rajouter d'autres connaissances scientifiques, soit j'allais faire soit l'anthropologie ou carrément le droit, qui était mon premier amour. Hein, avant d'aller à l'INA, j'étais à l'UNIKIN. J'avais fait le droit, mais je n'avais pas fini, compte tenu du fait qu'on avait suspendu les universités à l'époque à cause du phénomène Nguma, production, bindo promotion. Très bien. Donc il n'y a pas d'autre motivation sinon
avoir un bagage plein pour. Il n'y a pas de mal en ça, on te le souhaiterait aussi. Ils ont envie de m'abéter, mais qu'on recoupe au Kabela. Ils ont envie de m'abéter, incompatible. Ah, si, si. Et surtout, c'est ça pour la Coupe de la Pena secteur. Est-ce que les choses avancent, recoupe au Kabela? Est-ce que ceux qui ont lutté à vos côtés aujourd'hui, qui sont dans les institutions, vous pensez qu'ils vous représentent mieux? Est-ce que vos voix se font réellement entendre par leur voix ou pas? Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs qui sont. On ne va pas se voiler la face, hein. C'est vraiment dommage. Nous, en 2018, quand on avait vu, déjà en 2018, quand on avait organisé le premier forum, du CAC, ben, on avait motivé certains d'entre nous, certains collègues, à aller là où se prennent les décisions, pour ne pas continuer à être des éternels pleurnicheurs, comme quoi... la culture n'évolue pas, le secteur culturel, les conditions socio-économiques des artistes n'évoluaient pas. Alors on s'était dit, au lieu de demeurer plaintif tout le temps, eh ben, mieux vaut aller là où les décisions se prennent. Très bien. Et on a eu la chance d'avoir des députés, comme on les appelle, les députés culturels. Si, si. Mais c'est dommage que depuis qu'ils sont là, c'est comme si ils ont oublié leur base, comme disent les politiciens. Nos voix ne se font pas entendre. Nous avons un cahier des charges, nous avons une lutte qui est portée par le CAC, qui est celle de la politique culturelle, le statut de l'artiste. C'est une lutte qui devait être portée par nos représentants, nos députés culturels. Mais jusque-là, ils ne font rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas? Je ne sais pas. Vous le rencontrez? Vous avez le temps de discuter avec eux? C'est en vue. On avait une séance de travail hier dans notre nouveau siège. Le nouveau siège du CAC à l'espace Jazz Connexion avec le CG. Alors, nous comptons, en tout cas, nous comptons aller voir Madame la ministre de la Culture, parce que vous vous souviendrez... Vous n'êtes pas encore... on ne vous a pas encore reçu par la ministre? Non, pas encore. Je crois, à partir de la semaine prochaine, j'avais voulu... Puis je commence d'abord. Très bien. Non, merci pour auprès de vous. Ça me touche vraiment énormément. Afin d'informer l'opinion que il y a un changement à la tête du CAC et après on va contacter tous les partenaires pour essayer de nous entretenir avec eux. Donc dans ce cadre-là, nous envisageons voir Madame la ministre, parce que comme j'allais dire. À l'issue de la biennale de la culture et des arts organisée par le CAC, on avait pris un certain nombre de résolutions pour la politique culturelle et on avait constitué un comité de suivi composé de quelques membres du CAC et des agents du ministère de la culture et des arts. Et parlant des amis de la culture et des arts, j'en profite pour présenter mes condoléances au ministère de la culture pour la perte d'un... Nous l'appelons au niveau du CAC. C'est vraiment une grande tête pensante. Un grand ami des culturels. Le conseiller Colin, qui était pour beaucoup dans l'émergence du CAC. Alors, il y a eu ce comité de suivi qui avait travaillé juste après la biennale. Question de constituer un bagage, un dossier pour que le ministère de la Culture puisse porter ce projet au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la proposition de la loi sur la politique culturelle et sur le statut de l'artiste. En tout cas, à notre niveau, les choses s'étaient bien passées. Et même au niveau du ministère, ça s'était très bien passé. Madame la ministre a amené le projet à l'Assemblée nationale. C'est là que les choses bloquent. On comprend rien, je ne sais pas. Est-ce pour autant dire que la culture ne vaut rien pour les décideurs, pour les législateurs? C'est aberrant. Mais Rocco Kabela, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, je dirais même 5 ans, que le CAC a été créé et vous êtes au sein de la coordination depuis la genèse. Mais la
Quelles sont les actions qui ont été menées et réalisées en faveur des culturels de la République démocratique du Congo? Y en a-t-il? On aimerait quand même en savoir, parce que vous n'avez pas d'excuses. Hein, vous ne direz pas que moi, je viens à peine d'arriver. Non, vous avez été là depuis la Genèse. Ouais, ça, il faudrait le dire clairement. Donc, au Bandakal, au ministre, là, au Kal. Donc, ce n'est pas un fait de hasard que vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête de cette coordination. Maxoline Libomene, durant 5 ans que le CAC a été créé, pour les ans en faveur à la culturelle, au Colélo, et qu'on peut se faciliter en disant qu'on avait quand même fait du chemin, et moi je vais pousser le pion ici, et celui qui viendra après va continuer avec la course. Ouais, ouais. Bon. Les amis, montez dans ma route. Parce qu'il y a de ceux qui m'écrivent qui veulent quand même. Ouais, ouais, artiste, là, on a besoin de les Linga, les Arabes, pour la bango. Pour la message. Alors, tant au cas que ça, les mina 2018, et le Waliboso, tout ça là qui. Tolingaki, tout ça comme action moko déclat pour attirer attention il y a Batu Oyo parce que Zalaki n'a fait il y a élection. Ndé tout ça qui premier forum pour nako ko réfléchir parce que kak d'abord tout ça là y a un objectif en gros il y a kak Zali ko sangana ba artiste na ba culturel c'est-à-dire ba opérateur économique ba événementiel. Artiste na ba discipline yoso ba dramaturge ba comédien ba musicien ba plasticien ba styliste ba modéliste ba oyo nyoso ba salaka art. Alors tout ça là qui yango ezal la plateforme moko ya réflexion réflexion pour na kota la ko luka makambo oyo ezako freiner secteur na biso to bimisa ngo na poisa pe tous à la locaux la interface na ba décideur tous à la interface na gouvernement pour na aye ba ko bongisa secteur wana pe asala yango lokola esalama na mboka mususu c'est-à-dire ezala un secteur porteur ya développement socio-économique kaka pona biso ba praticien à art na culture te mais pona mboka na biso mobimba très bien voilà nde tozwa ki ba résolution alors parmi ma résolution liboso ba autre bac non au lieu tous ba figurant tous ba spectateur non et sengeli ba o baza prêt ba postuler pour pas qu'il y ait des meetings, des meetings, des meetings. Je me rappelle la représentation de Jean Goubal, Ados Dombassi, Alex Dende, Lexus Legal, Lexus, Paul Balenza. Paul Balenza. Il y avait un artiste comédien de Lubumbashi, okay, il est chroniqueur culturel aussi, Vital Sunzu, il est père à Zwaki. Alors, on a parmi les fruits et les réflexions à Liboso Tosalaki. Ok. Alors, maintenant, tant que l'élection est salémi, Bakondjasika, Bakoti, alternance est salémi, tout est bon, tout ça quand même action sous ces éclats pour Bakondi Bayoka, Bayoka Mbele Nabiso. On avait organisé une marche. Tout banda qui est na place royale, tout baki tout kende ti na Mongaliema, na cité à Oya, tout mon président. Tout le belayé, parce que c'est une expression démocratique pour tout le monde, bien, c'est aussi mbate. Nde tout sali makelele, tout comité, na clôture, ya mon Galiema, président de la République, Atinel Bisso, directeur de cabinet à l'époque, Excellence Vital Kamere. Yenem da yamba kabino. Ah, yamba kibiso. Et puis, tout pesa qui est mémo. La kati a mémo wana, et ça m'a kamwe belé, oh, tout sengaki. Tout sengaki d'abord. Balongole la biso escroquerie bande ko sala biso ngartiste je suis un indépendant na privé son la lingina bimana ke ne ko prester à titre privé batininga na gouvernement il faut na sing autorisation de na prisonnier autorisation de sortie tout ce non et ça la marate alors vous avez ba sans que ba tout ba sing la bango yango mais tu ba retourner ba mettre sur voyager ba sing la bango te ba maman na biso opérateur que ba commerçant tant ba kenda na Chine ba kenda na Turquie ba za autorisation de sortie ya ministère à commerce extérieur te ou bien ministère économie pour l'année bisoka ba monnaie la biso artiste de tobaga le a fait koya et koya qui parce que on a eu la chance d'être reçu par le numéro 1 il y a DGM pour mbongo wana DGM de mutanda kuzanga na ba frontière news on a monsieur Roland Kachwantal et Mutamba Kachwantal et Mbabiso à notre grand étonnement à lobi yé misolo na yé bien honte. Na ma nomenclature il y a mbongo oyo DGM fois zwaka taxe wana ezate. Conséquence, les lots un artiste a vu qu'on circulait n'engue à l'ingi à qui nous représentait beaucoup parce que tout ça va ambassadeur, tout ça va porte étendard la culture n'abissou. Il y a pas de contraintes au rôle des canons à frontière dans l'aéroport sans autorisation de sortie. Très bien. Zalu Talboso et puis combat le bosso tout gagné qui est en Guinée et puis combat le bosso tout ça n'ayango au tout petit calin en Guinée Zali
Il y a politique culturelle. Il y a un coup, parce qu'on a biennale, il y a 2020, les Caraïbes, ça démarque un musée national. Ouais. C'est que, vous faites la question d'un état de politique culturelle, on a un statut de l'artiste. Mais, si les lots depuis 2020, tu as un peu de temps. Kukamba makanisi ya artiste na kati ya kak ne tozo la msa dossier wana parce que tozo comprendre te batika ko escroquer biso comment expliquer au moins il y a des taxes parce qu'on a comme artiste autant moi na ba commune na hôtel de ville na même na niveau ministère il y a des gens qui collectent de l'argent au nom des artistes mais si vous interrogez le législateur de vous dire qui est l'artiste il y a pas ça dit l'état congolais est bien artiste te. Mais il y a des fruits à moto qui n'abissent pas. Il y a des gens qui ont des langues, mais ils ont des langues. Jusqu'à quand on va continuer à nous escroquer, à nous exploiter. Mais lourdeur, il y a des gens qui ont des niveaux. Parce que de 2003, il y a des gens qui ont des niveaux. Qu'est-ce que vous-même faites? Tout doit se décider au niveau du Parlement. Est-ce que vous ne pensez pas que le leçon, parce que c'est vrai, tout le monde est chef de l'État, dans le remaniement, dans le réaménagement technique, dans le gouvernement, il y a ça, ma deux, c'est que Azui, à l'indépendant, qui n'a même pas de lien à parti politique. Que mon gros sonolo pakala a PC ministère à sport parce qu'on estime qu'Aza expert Aza Namibou et Belé dans quatre secteurs wana qui a son maîtrisé par rouage et que sur côté wana a yé plus qu'on facilite ma moussou donc à bout babo y coopération banana mambo ensemble national donc je pense que la niveau secteur culturel et c'est l'IP chef de l'état pour procéder voilà au bandit et que vous allez payer résolution malam bon mettre à culturel chevronné. Mouto a eu benza ba problème y a ba culturel. Tout le mité que l'actuel ministre Rassa la Moussa la Mabé. Mais peut-être que, ils ont un modèle, mon raso y est sur place. Non, Moussou, n'a pas dit il est là à Kamoura. Ah, les gars, est-ce que les gars, mais il y a que Koucha Mouto a eu déjà dans la directive, il y a question de côté de Rali Bossou, c'est Awa, au Simba ou à Koubloka. Qu'est-ce qui est faisable au Monégo, vous allez bien, que vous soyez culturel, là, artiste, n'y a pas de. Bon, ce qui chef de l'État a estimé que Acha, un culturel, n'a pas ce wana et ça peut m'abêter parce que ma kota souka yende moutaza azar et des fables. Je vous rappelle que même pendant la consultation et la rupture et FCC cash vous aviez été reçu. On était reçu mais bon tant on m'a comme ça la mieux et puis biso biso za toza ma partie politique t'es biso za toza pratiquement société civile ou groupe de pression si vous voulez ben voilà soit chef de l'état à Monique non dans secteur culturel. À cause de zéro, na souka y a mandat na ye que makamouza na lourdeur mingi. Ce qui a estimé que Acha Moto ya Monique aza sur le terrain, c'est tant mieux. Na kati na biso ba bato baza. Mais Ali souwe na bino quand même. Bazali. Yango pe eko za pe mabete. Mais si qu'on a bitumba o toza na yango bon. Ministre Oyoyo tokwe ko condamné te parce que biso toza lokola ba expert na ye. Très bien. To sangana ki banganga mayele na domaine ya culture, ya art en général, on a eu des savants hein. Na domaine il y a musique, na domaine il y a art plastique, na domaine il y a droit d'auteur, na domaine il y a événementiel. On a réuni la crème culturelle et artistique où on a réfléchi au Pessi, ministre Nabiso Mayele wana. Il y a faut tenir comme ça na été. Il y a Sengeli ame mayango parce que ça doit être tout ça la loi sur le sport. Récemment autre comme ça loi sur le numérique. Sur la presse. Mais pour nani ka bakate amboka botala nanu président na biso tanga zaki na azaki ané ko piloter union africaine mandat na zaki placé sous et peut-être ça l'occasion on a l'impression que l'équipe de Karaboy mais basunga qui était n'a pas député au to kanza ba bundela biso il fallait pas loi wana soki zalaki soki ba porta ki on a moment wana mais engeza elo ça ne marche pas pourquoi parce que vous n'êtes pas liboké ou sont encore na niveau na biso je suis un créateur donc c'est tout à fait forfaitairement injuste. Il y a que Moutoubou t'a fourni mon salam à cassité parce que l'autre fois, on a un maki, Moko Yabino Lissanga, Fiston Saï Saï, Nazala écoute Ngaï Moko parce que Nazoï va document et pas Yandiko Ngaï, ex-coordonnateur Paul Moué le père qui n'a pas essayé de voter Sika Zali, Helenga, mais c'était quand même invraisemblable, Biako. Mon accueil, je n'ai rien contre lui, c'est un vu à moi, mais Mandachat, qui toucherait même plus que
Pascal Rocher-Taboulé. Et on se posait des questions, ça se faisait comment? On a expliqué qu'on les a posé à pire petit à tel. Mais les lobes à est fort. Il y a que Bossangani, Bobo Elir, PCA, Sika et tout. Mais l'équipe Rosa qui avant est boycottée, qui a guerre, les donc déjà en soi pour dire que les hommes ont intérêt mingindé. Et ça, c'est Sabino. Mais ça va intérêt général était pour l'avancement et le secteur culturel. Bon, c'est ce que nous déplorons. Hein. Problème, je crois qu'on avait, et ça parmi le thème autodéveloppé qui est biennale, dans le Bissot, dans le musée national. On a eu à réfléchir là-dessus. Tobanenona Soneka. Soneka, ils ont toujours problématique. Tu continues à Sokoda, ils ont continué à rendre des gens. Il y a un truc qui, parmi ma réflexion, tu peux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, il y a qu'au libéraliser le secteur, ou l'éthique à la gara, société Moka, il y a droit d'auteur, Netska, tout ça, qui le cause qui crée Nathan, un père parti État, Tata Moko, Maman Moko, École Moko, Télévision Moko, Syndical Moko, UNTESA, Société à droit d'auteur Moko, Soneka. Hein, est-ce que tu veux qu'on libéralise en outil? Peut-être. Chaque secteur culturel est à la société Nayango, il y a droit d'auteur. C'est parmi les réflexions autres, ça, là, qui. Okay. Alors, comment on a la guerre au Yosa au Salima, nous avons le climat, il y a bien. Nous avons le climat des affaires malsains, et puis on a créé le climat très malsain pour avoir droit à Nabiso. Maintenant, dites-moi, comment les jeunes artistes ont un courage et ont un s'affilier. Ça pose problème. Tu sais, mon travail, il y a mémoire, on a ça là, c'est sur justement le droit artistique dans, bon, la circonstance en haut, le droit artistique dans le théâtre et cinéma populaire congolais. Nakatiwana, Nazo Lobela, Nazo, Naza, n'a partir de la préoccupation Moko. Les artistes, Baza Bato, Baza Moussalman Kitoko, Baza Naba Assise populaire, ah ouais. Mais ceux qui ne peuvent pas se sont les Kama et Koui. Ben, il faut particulier parce qu'on a bango alors que l'artiste normalement ça on l'a dit bien mais ce artiste tu auras deux salaires. Ok, tu as un salaire mon gars, il y a prestation sauf que jouer soit en live bah foutio du coup salaire, okay. Mais le coup les a œuvre d'esprit tant qu'on joue jouer ce qui est côté exécution publique rémunération sur les droits d'auteur ce qui est côté. Ok, deuxième salaire, très bien. Siko zoa siko yo bah avantage joana. Balissa Angosko Naba artiste. Au moins que ça. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Tout ça parce que société où ils allaient appeler, il y a pour gérer droit, il y a artiste. Net le loyer, bah continue. Nabitumba, il y a juridisme qui ne dit pas. Alors au moment, fan de Bosololi, Boloukui Solution, et puis passer l'éponge, pour avancer. Voilà. Donc, tous autres, il y a une évolution en haut. Pour les appeler parmi l'attribution à Bissot, à Katia Kak, parce que ça, Kak, et le problème, ni au Soho, est le monde artistique et culturel. Et ça, mon combat à Bissot. Donc, toujours, tu as la évolution en haut, juridisme, on a total évolution en haut, et puis après, tu as la dernière, Kak a coquille, ko Luka, ko Monapé, ko ça, la paix, moi, à port, naïe, pour nous décompter la situation. En 5 ans, vous traversez quand même, Maramou et Bélé, Nakatia. Il y a comme la coordination à CAC, bah comment ils allaient quand même ébeler, parce que tout est prioritaire dans le secteur culturel, ça il faut le dire. Tout à fait. Et ça, moi, pas sérieux, Boubake, Nasi Makoto, Yo, Nazela, Nanukuna, et ça, que ça aussi, Migoto, Bazo, l'action qui était, pendant aussi, maintenant, il faut, Banana, ok, Kuna, on se rend compte qu'il faut, donc tout est prioritaire. Paul Mouet, le père qui n'a pas dit, et ça, moi, problème à coûté un an, mais heureusement, il y a eu mon le Bango tout à l'heure. Coordination à CAC, c'est la crème de crème. Il y a l'Issana Nabino, parce que Oazali, cordon, alors, ça adjointe, Isali, Madame Yolande Delebema des mois, Isali, commissaire général de la coopération décentralisée, la francophonie à Villa Kinshasa, Tozala qui n'a déco de Gisongele, ou Isali, représentant, il y a un plasticien, Nyoso, ou Isali, il y a un commis minen et un boka, il y a un sangoule, il y a un Jordan Chodiala, il y a un Assise Mutombo, il y a un Abdallah, Lydia, il y a un Itali Mode, il y a un au Bazaï Penza, au-delà de la réflexion, mais les gens qui assurent dans ma posture, dans ma mot, c'était des profils vendeurs. Le combat, 5 ans après. Paul Ngo, le père, qui a écouté dans ma makama, est belé. Les lopes mis sous la mission, c'est ça, braqué.
Parce que pour Paul Noël Le Père, on le taxe en disant que bah, ça a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tourné dans la Mouetali Ndoule, ouais. Poye, Azali, musicien. Ouais, ouais. Est-ce que vous allez appeler le baron à Tepona Rock ou Bokabela? Parce que vous êtes artiste, comédien, humoriste. Et donc, après, on va se dire que, bah, oh, parce que c'est vrai que ça l'a fait, c'est Moyaka Moussogé. Ah, Tosio Abisso Nazo Kamba, peut-être qu'il aura beaucoup plus, un peu de regard dans la Mouetali Bisso que Paul Noël Le Père, que vous n'a pas dit peu, Bané Goyo, Kabamba Murmure, etc. Est-ce que Rosala TKK, président pour la couche Moko, ou soit Ozali, coordonnateur, il y a bah, culturel, Nyon surtout, il y a République démocratique du Congo. En tout cas, Moutou Ozali, coordonnateur, il y a CAC, et Sengeli Asali là-bas, objectif, il y a CAC. Très bien. Aouyana idéologie n'a pas été pour à imposer un mot. Je pense que je serai coordonnateur, il y a CAC. Hein, en tout cas pour na battu nyoso pour na ma discipline artistique nyoso et de toute façon ndenge tobenga en coordination na lisungi ya bande ko nyoso certes toza battu tam sur cause à la moi penchant mais je pense que coordination salama wana pour na kosangisa mayele de manière à ce que penchant ezala côté mon côté mais ngai personnellement Nazaromimo na kakate homme de théâtre, mais na minute au moment Nazar multiple casquettes. Très bien. Ouais. Rock Bokabela Bodo. Je voudrais que tu regardes cette caméra droite devant toi. C'est une question que je poserai et qui va rester d'ailleurs. Ok. Vous avez été désigné à l'unanimité par la coordination du CAC comme cordon ad intérim. Ok. Que doit-on attendre de votre personne? Que doit-on attendre d'ici une année? Ça sera la question qui va nous séparer aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup. En tant que coordonnateur ad intérim, ce qu'il faut attendre de moi, c'est d'abord la redynamisation. Très bien. Parce qu'on a eu comme l'impression que, bon, CAC, ou mieux, les activités du CAC étaient en veilleuse. Et c'est vraiment le challenge que je tiens à gagner. C'est-à-dire, il faudra que non, le nom, le concept CAC redevienne sur la bouche de tous les artistes et des culturels. Ça, c'est de un. De deux, d'ici une année, en attendant l'Assemblée générale ordinaire, où on aura organisé les élections pour élire le coordonnateur. Nous aurons à organiser des activités d'échange. D'autant plus que nous avons un siège. Nous allons organiser des activités d'échange que nous comptons l'appeler cette activité Café CAC. Très bien. Café CAC, ça va réunir les artistes, les culturels autour d'un thème. Et là déjà, nous comptons commencer avec la loi sur le numérique parce que il va sans dire que actuellement les artistes semblent être beaucoup plus travailler dans le domaine du numérique et donc il faudra en maîtriser les rouages. Très bien. Voilà. Et en dehors de ça, je compte quand même, parce que les gens, j'ai parlé depuis que je suis là, il y a des gens, il y a des artistes qui m'appellent de par-ci par-là, Lumbashi, Kolwezi, Matadi, qui pensent que CAC, c'est une structure regroupant seulement les artistes et les culturels de Kinshasa. Alors que CAC, c'est national. Très bien. Donc, d'ici une année, je compte organiser une tournée d'information et de mobilisation en vue d'adhésion massive au CAC. Et enfin convoquer l'Assemblée générale ordinaire pour organiser les élections afin de permettre aux artistes et culturels de choisir très bien une coordination qui va être là à titre définitif pour accomplir leur mandat. Voilà. Magnifique, c'est brossé en un peu. On comprend déjà la mission que vous vous êtes déjà assignée, Rock Bokabela. Moi, je vais me tenir debout et surtout, je vais t'accompagner. En tout cas, merci pour cet honneur. C'était un plaisir. Bon vent à toi. Merci beaucoup. Et je sais que ça ne sera pas facile.
Pas mais comptez tout. Vraiment sur mon accompagnement. Merci et comptez beaucoup. Sur l'accompagnement de tous les culturels de la RDC. Merci beaucoup. Bon vent à vous, Rokubo Kabela. Merci et beaucoup. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout plaisir était pour moi. Et très bonne chance pour Kikero. Merci beaucoup. Et j'y serai. Si, si, merci. J'y serai. Je crois qu'il y a une surprise déjà en sourdine. Ah ouais? On parlera. Ah. On va inviter les gens à venir le 29. Ok, super. On va rencontrer. Merci Rokubo Kabela. Merci. Il était de notre aujourd'hui. Et après cette transition, on se retrouve tout juste après. Ce n'est pas grave. L'agence Kimia Shipping Canada. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de rechange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contact 001-514-531-8401. Agence Kimia Shipping Canada, Tokos. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace.